Et voilà le résultat, donc un magnifique petit portail. Bon, j'ai décidé de me fabriquer un petit portail. Donc juste ici sur le côté de ma maison, hein, tout simplement, hein, parce que bah là j'ai un passage qui donne sur la rue. Et c'est pas vraiment un problème en soi. Mais vu qu'en ce moment je suis en train de clôturer mon terrain, bah il faut que j'ajoute un portail ici, tout simplement. Et puis dans le doute, je préfère mettre le petit portail ici plutôt que là-bas, parce que comme je connais pas exactement le cadastre, j'ai pas envie d'embêter mon voisinage. Donc voilà, là j'ai fixé ça dans le mur, donc je vais venir mettre mon portail dessus. Donc là il y a quand même des chevilles derrière, hein, même si ça paraît comme ça pas très solide. Je viendrai mettre du béton pour solidifier plus tard, hein, pour le moment c'est pas l'urgence. Et je suis en train de fabriquer à côté de ça le portail. Donc bah, c'est un portail adapté à la taille. Et donc comme vous le savez maintenant, un portail fabriqué qu'avec des chutes de bois. Donc plus qu'à couper les morceaux de bois à la bonne taille. Je prends donc ma scie circulaire vu que mon électricité est gratuite grâce à ma station solaire et mon autoconsommation. On protège toujours les oreilles. Allez hop, c'est parti. Et voilà, plus qu'à venir poser mes morceaux de bois et les visser. Et voilà, mon petit portail est fabriqué. Ne plus qu'à le mettre en place juste ici. Tac, tout simplement. Donc rien d'exceptionnel. Juste de quoi faire. Un petit passage. Alors du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que certains vont trouver ça nul, parce que oui, il est trop petit, il est trop ceci, il est moche, etc. Mais moi, j'en suis content.